réaliser des appoints de cuisson pour une viande rouge. Nous allons réaliser une viande bleue, saignante, à point et bien cuit. Faire réchauffer ces récipients, utiliser des sautoirs, ajouter l'huile, laisser chauffer la matière grasse. Pour n'importe quel appoint de cuisson, la matière grasse au départ doit être à la même température, c'est-à-dire très chaude. Ajouter ces steaks. Donner des viandes. Pour les viandes bleues et saignantes, laissez le feu assez vif. Pour les viandes à point et bien cuites, après les avoir saisies, baissez l'intensité calorique. Retournez la viande bleue assez rapidement. Assaisonnez de l'autre côté. La viande bleue s'identifie au toucher. Elle doit être molle, environ à 40 degrés à l'intérieur. Retirez. La viande bleue est terminée alors que les autres sont encore en train de cuire. Retournez la viande saignante, toujours avec la même intensité calorique. Dès que l'on voit l'apparition du sang, retournez pour la viande à point et pour la viande bien cuite, toujours avec un feu minimum. Retirez la viande saignante, on la reconnaît au toucher, ça doit être souple mais pas trop. Température à l'intérieur entre 52 et 55 degrés. Le sang ne doit pas ressortir en surface. La viande à point se reconnaît de façon visuelle. Des gouttelettes de sang perlent en surface. Si c'est le cas, la viande est à point. Retirez. La viande bien cuite au toucher doit être ferme. Après l'étape de la cuisson à point, les gouttelettes de sang finissent de cuire complètement, c'est-à-dire que les protéines de la viande sont complètement coagulées. Retirez. Ici, vous avez les quatre cuissons. Ici, la viande bleue, qui est chaude à l'intérieur, environ à 40 degrés, très rouge. Ici, la viande saignante, rouge à l'intérieur. Ici, la viande à point, nettement moins rouge, et des gouttelettes de sang perlent en surface. Ici, pour terminer, la viande bien cuite, les protéines sont complètement coagulées.